Venez en main d'abord. Venons en manger elle de den. connectez-vous. Le vice-président du GPS a été à nouveau convoqué aujourd'hui. Alors, les dernières informations que j'ai, il paraît que ça a été reporté encore jusqu'au 10 décembre. Même Saddam Hussein a été, le président irakien là, a été jugé. C'est-à-dire les grands bandits de ce monde-là, une fois, ils sont convoqués là. Ça fait combien de fois Ouattara fait déplacer le président du GPS, M. Soultoussoul, Camarate Souleymane. Il fait les va-et-vient Souleymane. Mais le vieux, il faut le condamner. Si tu as donné la perpétuité à son patron, mais pourquoi tu as peur de le condamner? Nous, c'est ce qu'on attend. Nous, on s'en fout que tu sois gentil ou pas, ça c'est ton problème. On s'en fout. Ça là, on va pas. Allah, y a à boire. Et quand l'argent est beaucoup dans la maison, c'est comme ça. Dès que tu touches quelque chose, ne doit pas bien faire. Ouais. Sous là. Depuis là, Ouattara le convoque seulement. On nous dit non, la justice ivoirienne. Non. C'est Ouattara qui convoque Soultoussoul juste pour nous effrayer. Levez, ce que tu fais là, c'est petit. Il faut faire autre chose. Il faut lui donner la perpétuité. C'est ce que moi-même, il demande. Là, comme ça, là, on va plus, se déplacer encore. Parler au palais. C'est-à-dire, je ne comprends pas. Vous dites que vous avez les preuves. Mais pourquoi à chaque fois le faire déplacer pour rien? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous le déplacez à chaque fois? Akamoro Nintoro, bande de vauriens. Ouattara, tu es le plus vaurien des présidents et le plus dictateur jusqu'à Yaparis. Ou bien, comme tu vois, tu ne peux pas le juger là. Il faut le tuer. Parce qu'on a l'habitude. Il faut tuer Soultoussoul. Il faut le tuer et puis ça va finir. Voici quelqu'un, sa justice. Il y a des gens qui sont condamnés à des prisons fermes, condamnations fermes. Mais eux, ils marchent dans Côte d'Ivoire, là, ils sont en paix. Il n'a pas de Ntorotani. Il est à justice, ni de justice. C'est ça qu'on appelle lâcheté. Il est à justice, on appelle ça lâcheté. Parce que c'est toi qui as prononcé la condamnation de Guillaume Soro. C'est toi qui as dit que Guillaume Soro doit aller en prison et qu'il doit prendre la peine de la perpétuité. C'est toi qui as été le premier à dire dans l'histoire de Côte d'Ivoire. Et puis ta justice a appliqué. Vaut rien là. Tu penses que moi, il a été respecté? Si on devrait respecter un président, on allait respecter Babou. On a pourri la vie à Gbagbo, on a insulté sa maman, tout. Donc toi, tu es président. On veut même jouer là pour toi. Mais la différence, c'est que nous, on ne va pas prendre les armes. Tchokroba Mourofala, tu n'as même pas honte. C'est sur tes propres petits, là, ceux qui t'ont fait, là. C'est sur ceux-là, toi, tu peux te muscler.
Gbagbo est là. C'est pas toi qui as dit que c'est lui, il a tué les gens. Tu dis il a braqué banque. La condamnation de Gbagbo là, ce n'est pas avec qu'au truc, hein. C'est prison, c'est-à-dire c'est condamnation ferme. C'est-à-dire dès qu'il a été jugé là, on doit le fermer. Il t'a qu'à aller là, nous flan ne va aller. Vous êtes de même promo. Il faut faire Aoudi, Nama Bouigna là. Que non, on est là parler de réconciliation. Et ce qui peut réconcilier les Ivoiriens là, il okay. En train de mentir aux gens seulement. Oui, voilà. Et puis, vous les imbéciles là, du RHDP là, qui dites oui, Soro était le chef rebelle au nord là. Qu'est-ce qu'il a apporté au nord? Je vous dis quelque chose, une rébellion est faite pour revendiquer, pas pour réaliser. Vous avez compris? Et si on peut dire le bilan de la rébellion de Soro là, Dramane est au pouvoir. Aujourd'hui, votre Dramane là, Bouche Pensée là, il est au pouvoir. Ça là, ça c'est le bilan de la rébellion. Comme vous dites là, ça c'est le bilan de la rébellion de Guillaume Soro. Et ceux qui disent Guillaume Soro n'a rien fait là, vous voyez les Nordistes qui pleurent aujourd'hui au nord là-bas. Ouattara est venu là, il n'a rien fait. Oh, il n'y a pas de rébellion là-bas. Hier, j'ai joué ici la vidéo. Ata ya foire ya fodé. Non, on peut faire grand frère, on peut faire grand frère. Toi, vilain comme ça, là, on te tue là, et puis on voit quoi? Malhonnête là. Et te colombe romain. Tu as pourri la vie aux gens. Ah, Sorodé. C'est comme ça que tu as fait juste après, tu as tué Ibé. Mais Sorodan, on appelle ça os dans gorge. Colocou. Et quand tu es au colon, il te sait qu'à fouiller que tu es là. T'es là, blablabla. Toi, moi à ta place là, Wallet, j'ai laissé Gbagbo. Parce qu'au moins, dans ta mandature là, tu vas laisser quelqu'un, c'est-à-dire un adversaire de taille t'enfronter. Mais tu as peur. Tu connais? Je connais bagage. Tu as peur. Tu as peur. C'est pourquoi, depuis que tu as pris le pouvoir là, c'est-à-dire, pour ne même pas affronter le président Soro même là. Il va perpétuité, perpétuité dedans. Là, comme ça, il jamais candidat en face de moi. Tu n'as jamais été populaire en Côte d'Ivoire. Dans la vidéo où le président Gbagbo dit, mais Ouattara est un menteur. Il a dit, oui, il n'a qu'à venir. On va voir ça bientôt. Gbagbo a pris ce qu'elle a. Toi, il faut faire pour toi. Allez, 3% il t'a fait. Aujourd'hui, dans le nord, dans le Wourouba. Aujourd'hui, dans le Wourouba, là, on nous dit, ils font de porte à porte, allez obliger les habitants, allez-y vous faire enrôler. Quand c'est bon, là, on ne fait pas publicité. Ça, là, ça, c'est El Dinde. Ben, comme moi, je suis musulman, là, je ne mange pas son cuir. Qu'au cuir des dindes, là, ni koudoum, c'est comme Ika Guinéaké. Sorobokoum, il y avait Sorobokoum, du bout de voyons. Ne va pas pour l'ennemi. Et t'es fait une cadu. Quand tu m'as levé Blanco au Téban, l'homme père sous le levé là, il fait va-et-vient seulement, va-et-vient. Tu perds son temps. Vous savez pourquoi j'ai fait? Ça a dit sous là, il y a un lion derrière lui. J'ai mis ça en photo là. Et puis ça, c'est le groupe de lions qui est là. C'est-à-dire, le monsieur là, il est toujours attaqué, mais il sort toujours vainqueur. Aloute Maroya. Surtout ce que vous voyez là. Il a pris, il a enlevé son argent, ou bien c'est toi qui lui as donné l'argent. Il allait faire son cueil. Soukessou, Kababo te recevait à quand? Pour dire qu'il est mort. C'est-à-dire, à l'époque même là, si Babo mourait là, Soul allait danser. Mais tu as emprisonné Soul. Quand Soul est sorti là, Gbagbo l'a invité. Il est allé là-bas. C'est ça l'on dit un être humain. Il est mort, il est long. Mais c'est Dranka Fizani qui a nié. Que non. Hé, Hassan Ouattara. Hé, Obekoumana. Hé, Massakien. Srama l'avait nié. Même Srama Yako, il était même. Pourquoi on le respectait même? Quelqu'un qui ne se respecte pas. Attendez. Hein. Attendez, je vais trouver une vidéo ici. On va écouter.
En Côte d'Ivoire, aujourd'hui là, il n'y a pas un journaliste aujourd'hui qui peut dire Alassane Dramane Ouattara s'il ne va pas en prison. Attendez, la vidéo là, la vidéo 3 est très bien là. Je vais chercher la vidéo. Mais non, je n'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de. Vous allez écouter Alassane Dramane Ouattara ici. Tellement ton robot, il finit à Fola, tellement il ment. Et t'es oui, à Fola, abonné. Ouattara, il ment jusqu'à. C'est-à-dire, j'ai jamais vu quelqu'un depuis que je suis né. J'ai croisé des faux types, hein, mais depuis moi, Amira Blené, je suis né. J'ai jamais croisé quelqu'un qui est faux plus qu'Alassane Ouattara. Et t'es qui va écouter alors? Et juste, il veut même. Il veut même. J'ai jeté les gens en prison pour ça. Quand on dit Draman, oh, il est fier des deux gens qui s'appellent Ado. Attendez, je vais chercher cette vidéo-là. Moi, j'ai pas trop le temps. Sinon, les vidéos comme ça, là, j'en ai plein. Ni père là, ça n'a vidéo. Quand moi, je suis comme toi, là. Non. Je fais tout pour avoir maximum de preuves contre toi. Là, comme ça, là. J'ai au moins ici, là. C'est-à-dire, j'ai pas moins de 7000 vidéos. Les coupées, là, sur Alassane Ouattara. Non, il faut ôter les bancaires. Là-bas, une vidéo où blâmer. Ça doit être en bas. Je me demande c'est quelle vidéo juste. C'est ma vidéo bien chère. C'est le président Soro. J'ai chargé ça là, le combien, le 31 octobre. Non, c'était avant 31 octobre. 30. Attends. Ce que j'ai pris là, j'ai envoyé ça d'abord. Peut-être que ça doit être dans ça. C'est-à-dire, Ouattara, là, il manipule tellement la justice, quoi. On va l'écouter ici, et puis après, je vais aller chercher l'autre là. De faire de la manipulation quand on est au pouvoir. C'est très facile de faire de la manipulation quand on est au pouvoir. Ok. Quand on confisque les médias d'État. Quand on empêche les autres de s'exprimer, quand on les accuse de tout et de rien sans preuve, on fait des manifestations. Voilà pourquoi aujourd'hui là, il n'arrive pas à juger Soul. Il dit, quand on a le pouvoir là, il est plus facile de manipuler qui est au pouvoir aujourd'hui. Quand tu entends Qbet ou bien quoi là, venir dire, pour venir s'inscrire là, s'enrouler là, il faut avoir l'extrait de naissance et le lendemain il dit autre chose. On va écouter ici encore les vieilles vidéos là. Nous ne reconnaissons pas Laurent Gbagbo, nous ne reconnaissons aucune institution. C'était notre position au départ. Donc l'Assemblée nationale n'est pas représentative de la Côte d'Ivoire, puisque tout le Nord, aujourd'hui toute la partie occupée par les forces nouvelles est quasiment notre zone au niveau du parti du Rassemblement des Républicains. Et à partir du moment où nous ne reconnaissons pas Laurent. C'est-à-dire, ils ont reconnu Laurent Gbagbo quand il y a eu la transition. C'est-à-dire, lui, son premier ministre, est devenu premier ministre de Gbagbo Laurent. C'est-à-dire, quand il dit son premier ministre, il a. Quand ils ont dit d'envoyer quelqu'un, c'est Soro, il l'a envoyé.
Daniel, je Mes chers compatriotes, en ce qui me concerne, j'ai, comme vous le savez, fait part le 5 mars dernier voilà, André, à c'est toute ça. La nation André, c'est... devant le Parlement c'est réuni en congrès à Yamoussoukro de ma volonté, bien que la nouvelle constitution m'y autorise, de ne pas faire acte de candidature et de passer la main à une nouvelle génération. Depuis cette décision, j'avais commencé à organiser mon départ. Voilà, c'est ça là. Vous allez écouter, hein. Lui-même là, c'était en 2020 là. Oh, il a voté une loi depuis 2011 là-bas. Le nom Draman là a interdit dans lui son c'est-à-dire le prénom Draman là est interdit. Lui-même là, on va l'écouter ici. Ce qu'il va dire, c'était en 2020 là. Allons. À prendre toutes les dispositions au plan personnel et au plan politique. J'avais planifié ma vie après la présidence. J'avais entrepris de relancer les activités de mon institut et de créer la Fondation internationale Alassane Draman Ouattara. Vous avez entendu, non? Est-ce que vous avez entendu? Bon, un type comme ça, là, qui peut lui faire confiance? Allons, Alassane Draman Ouattara. Ni les deux kafois, à l'EBC kafois, ni les kafois, il est en cas cela. Au plan personnel et au plan politique. J'avais planifié ma vie après la présidence. J'avais entrepris de relancer les activités de mon institut et de créer la Fondation internationale Alassane Draman Ouattara, ADO, dans les locaux. Vous avez écouté, non? Vous avez entendu? Flamme Capo, bonjour. Bon, un gars comme ça, là, moi, Amiral, il ne peut pas lui faire confiance. Maintenant, tous ceux qui envisagent, ouais, si j'attrape blindé, il y a le frapper. Moi, il n'y a rien tout. S'il n'y a pas couteau là, mes dents là, c'est ça que j'utilise. Je vais vous montrer quelque chose. Il y a un gars qui a couru les mains. Il y en a un contre là. Imagine-toi dans Niamoy, il t'attrape. Voilà bien, Nimi Boubo, voilà un type là. Même si c'est Djinn qui a porté, mais il y a Djinn ni Yifadbro, qui est sur Sama, car voilà bien, il n'est pas laissé. Il faut prier Dieu même, il ne faut pas y attraper ta gorge. Sinon, mais au bois là. Donc, tous ceux qui disent non, si tu attrapes, il y a fait ça, il ne faut pas, on va faire corps à corps. Ben, voilà, ma bouche est en action en même temps. Nous qui m'a mis dégonflé. Mon bécolotre, non, il est fait, mais il est ma mon canyon. Au de waraye. Il y a Anthony qui est. Il y a Anthony qui est venu. Allez, allez. À ma mon canyon, même qu'à traîner, ben y a fait. Ni ma mouloussera, j'utilise ma bouche. Allez à Dini Bouton, ni n'a pas ma bête ni n'y est. C'est pour vous dire, à Saint Ouattara là, c'est un faux type. M'en rien à mentir. Parce que, en Afrique là, partout même dans le monde, on dit, ah, lui là, c'est un homme de parole, hein. Lui là, c'est un homme de parole, hein. C'est un homme de parole, mais Ouattara n'est pas un homme de parole. Et à partir de là, là moi j'étais classe comme un faux type. Ouattara ment. Ben, ce jour même là, qu'est-ce qu'il a fait? Vous lui reprochez quoi? Vous avez, à l'enfance, quand on faisait par la blague, tu disais que tu n'as pas raison là. Quand on vient vous séparer, et on te demande, Moulokela, qu'est-ce qui s'est passé? Tu dis, ah, Agala Léon, Anoutouméa, et puis, c'est qu'il n'a pas raison. Tapez sur sa bouche, c'est ce qu'ils sont en train de faire à Soula. On lui dit, viens, quand il vient, on dit, il faut partir. Parce qu'il n'y a rien à dire. Parce qu'ils n'ont pas raison. Odjouta là, ils n'ont pas raison. Car oui, on a un mot là-dedans.
Ma vidéo n'est pas là, il y a un jour de demander quelqu'un un jour. Bon, il y a un peu de temps. Pour nous dire le frapper. Quelqu'un qui m'a fait comme ça là, il est venu au bureau. Non, Cyril, voilà Bilay. À l'enfance là, les enfants qui faisaient par là, parce que moi j'étais pas dans ça, bah, moi-même là j'ai bégayé. Donc à l'enfance, quand ils faisaient par là comme ça là, quand on vient demander il y a quoi là, d'explication même là, j'ai pas envoyé un coup. Parce que si le mot ne sort pas, bras soit en même état. T'entends pas bon? Mais Amna, oh! Mais ce que la justice est en train de faire aujourd'hui, Soul vient. Quand il vient là, on dit faut partir à la maison. Quand il vient, vous n'avez pas honte? Hein? Ah! C'est un café, mon roman, qu'on blindé. Qu'on voit là, ça? Ne compte bien, voilà, il connaît. Allez, éléphant, madame. Si moi, j'étais lion là, pas lion. Les lions là, ils respectent les éléphants. Mais si moi, j'étais lion, non, j'allais essayer. J'allais attraper sa gosse. Mais bon. Il n'y a pas trop de goût dans ça. Là, je vais vous laisser. Rendez-vous sur mon TikTok. Ok? Il y a lancé là-bas. On va aller parler des Soul. Voilà, Bilay. C'est dit, quelqu'un, vous avez les preuves. Mais pourquoi ne pas le condamner? Pourquoi ne pas le juger? Qui a un rôle tout d'amant? Damane, moi j'aime viande. Et puis viande coûte cher. Je rends gloire à Dieu, je rends. Je remercie mon oncle Gauthier Kara. Ah, il est là même. Bon, si tu ne m'avais pas fait venir, il a demandé un jeune coup de chair là, au pays là. Peut-être que tu as vu quelque chose, tu as anticipé. Il allait devenir sorcier. Puis il a envoyé son oncle. Il allait te donner dans nos groupes. Il allait envoyer mon oncle Gauthier Kara. Eh bien, vos militants qui disent qu'ils vont me frapper là, c'est avertissement. Parce que si c'est encore à quoi avec toi là. Maintenant là, si tu attrapes, même si c'est Jean Rangle qui t'a porté, il a déchiré ça. Nimi Boubo, qui y souvient Nanda là, un petit blanc. Donc c'est fait exprès, tonton. Je viens me dire aussi que, ouais, que je mange comme un chien. Alors, n'y a moi, si je restais à duo. Et puis, il n'y avait pas vu. Écoute son nom qui est en France là. Et quand on dit les sorciers, ils l'ont moisi. Et puis moi, je dis pleure. Hé, tonton. Pourquoi dis-tu? Là, vous l'avez moi, mais il est là, ça propre. Bon, rendez-vous sur TikTok. On va aller parler là-bas. Non, j'ai dit, André, tu ne m'as pas compris. J'ai dit, quand je marche os comme ça là, quand je mange ça comme ça là, c'est pour avertir vos militants. Ah, quoi qui a dit ça, quoi qui veut te frapper. Mais vous là, je sais que toi, tu ne vas pas me frapper. Mais vos militants là, tu sais, tu entends beaucoup quand les gens disent qu'ils vont me frapper là. Donc il faut leur dire, mon neveu là, il a les dents à brèche. Et puis quand il est attrapé là, je te le dis, ça dit trace de brèche là, ma tu la vois. Et quand André Fouchette, il est qui. André Fouchette qui t'a gratté. Ok, rendez-vous sur TikTok.
Bonne journée à toi, tonton. Le problème que je t'avais expliqué là, c'est bon, faut pas trop t'inquiéter. J'ai ton doigt où? Voilà, donc j'ai géré ça. Je sais que tu es inquiet, mais bon, c'est bon. Bientôt, je viens en France là-bas. J'ai revenu passer allemand quand vous serez là, Katimi. Ce que je fais ici là, quand on me parle allemand là, vu que moi je comprends pas pour là, moi je parle pour moi. Ah, madame, ma mère. Il y a que j'ai la mère, non, Allemagne. Non, les gens qui vivent ici là, vraiment, ils ont courage là, au nom de Dieu. Et moi-même là, quand je pars à Paris comme ça là, non. C'est-à-dire, tu vis quoi. Quand je dis vie là, c'est pas aller danser, mais les gens sont souriants, bien. Mais ici là, quand tu vois les gens là, on dit, bon Dieu, dès que tu quittes ici là, on les te tue. Tout le monde est fâché. Au fait, peut-être qu'ils ne sont pas hypocrites, quoi. Ils sont pas hypocrites, voilà pourquoi. Alain, son monsieur Brevret là, qui est un affreux premier salon. Quand la vidéo que donc, on reconnaît ma vidéo d'abla, qu'on frou message, on frou le message. Pour cela là, moi je suis prêt à tout, hein. Non, on frou le message. Au milieu à la note, on va moi j'ai la wap. Non, ah non, à cause de ma. Une telle fois d'abla, vidéo là, il a continué. La personne qui est en danger là, si quelque chose doit arriver là, ça ma mère, ils vont aller attaquer. Donc, c'est ma mère, ils vont aller attaquer. Donc, tous ceux qui sont en Europe là, tous ceux qui ne sont pas, qui m'ont pas mis au monde là, qui font genre, ils s'inquiètent pour moi là, c'est votre problème. Ah, j'aime bien mes enfants. Séparation, c'est pas bien. Surtout quand vous avez des enfants. Mais moi là, j'ai vu ça et puis j'ai laissé. Moi, c'est comme ça, je suis. Moi, mais faut pas chantage, hein. Voilà pourquoi je suis tombé sur une nouvelle go. Déjà, Denis Allier, Allah Koulounoua, et Denis Kadinye. Non, à la cadine ni premier ni rien. Mon ex, l'homme n'est rien. C'est moi qui parle de mon ex aujourd'hui. Oh, avant là, c'était mon rêve. Quand je voyais mes amis, je disais, ouais, mon ex, il dit, gars, comment il a fait pour avoir ex? Gars, Dieu dit, petit, ton tour arrive. Il a framponné ça pour moi. Attends, voilà, quand je parle avec mes gars maintenant, je fais malin. J'ai dit, mon ex là, il dit, ah, j'ai dit, ah, d'accord. Allez, yo, bonjour. Donc, dites à Draman de laisser les amis de Soro en paix. Ce n'est pas eux qui l'empêchent aujourd'hui d'aller réaliser au Nord. Ce n'est pas eux-là qui le poussent à faire des bêtises, à créer les woubis. Tout ce qui n'est pas bon pour les Ivoiriens, là, ce n'est pas nous les Soroïstes. Ouattara, il faut faire attention. Parce que tu ne peux rien contre Soro. Sinon, tu avais dit que partout, ou ceux qui vont commettre des crimes là, partout où ils vont se trouver, quel que soit leur lieu de résidence là, que tu as les faire venir en Côte d'Ivoire. Tu as dit, ça fait 6 ans maintenant. Guillaume Soro s'est éloigné, il s'est éloigné. Comme il a vu que tu ne vaux rien là, il est venu se mettre dans ton nez, dans l'AES. Et puis, c'était tellement bien tombé, parce qu'il avait promis que tu allais aller réinstaller Bazoum. Oh, il est au Niger là-bas. Tu réinstallais Bazoum et en même temps tu prenais Soro, tu rentrais avec lui. Tu mens jusqu'à. Et puis, celui qui ne veut pas qu'on parle de Ouattara là, il n'a qu'à quitter le pouvoir. Même si un imam ou bien un pasteur, il devient président là, s'il fait des bêtises là, ses disciples là, ils vont le critiquer. Donc, allez-y au nord là, regardez-lui là. Hier là, il a fait une vidéo. Non, hier j'ai publié une vidéo d'un nordiste là. Voilà, écoutez ça là. Ça, c'est au nord, hein, dans le Yoruba. Voilà. Voilà. Réjean qui a bouclé sa tête, jette la clé. Ouroba, la région qui a bouclé sa tête à cause de qui? Alassane. À cause de qui? Pour cette trop. En quoi tu es là? Pour résider dans ça là?
combien de mandats? Ça fait combien de mandats maintenant? Ça fait combien de mandats maintenant Alassane au pouvoir? Combien de mandats Alassane au pouvoir? Combien de mandats? Mais quand même, soyez sérieux. Alors quand c'est dit la vérité, maintenant trop c'est trop. Quand ça te dépasse là, on dit ce qu'on veut maintenant. C'est fini. Non, mais non, pourquoi y'a Kézé, mes boy? C'est plus ça. On ne peut pas rester dans ça là toujours. Faut saluer tout le monde, saluer la famille, c'est toujours les dieux de ma petite intimité. Quand je vous tiens, nous tous, donc vous captez. Ah, maintenant? Vous m'avez dit que moi je suis maudit. Lui là, lui il vit là-bas. Non, tu es loin. Depuis que tu es parti, tu n'es pas encore venu. Lui là, lui il vit là-bas. Il est toujours au nord là-bas. Il n'y a rien au nord. Donc c'est pour vous dire, on n'a pas besoin de se déplacer pour voir la réalité. On n'a pas besoin. De vos réalisations que vous parlez là, au nord là, on a eu quoi. Parce que pourtant, les armes là, quand ils sont arrivés là, sur l'étiquette des armes là, il n'y a rien au nord. On est en train de lutter pour l'égalité. Ça te fait 14 ans au pouvoir. Tu as endetté la Côte d'Ivoire depuis... C'est-à-dire, plus que vous pouvez bannir, autant que vous pouvez bédier, tout ça là, on met tous ces dettes-là ensemble. Juste avant le président Bago, là, on met tous ces dettes-là. Mais toi seul là, tu as dépassé tout ça là. Tu n'as jamais cassé maison au nord, puisque tu n'as rien construit là-bas. Vous dites non, les voici les nordistes qui sont en train de pleurer au nord, parce que Ouattara allait les déguepir, voilà, il va construire ça là-bas. Rien du tout. Il m'en faut, Ike. Les mêmes Djoula là, il pleure en Côte d'Ivoire quand tu casses les maisons. Et il pleure ici en Europe aussi. On va écouter une vidéo ici. Attendez-le. Nama na sabari fonyene quoi. Hein? Nama tomba loubla kana bouboune en photo. Voilà. A vidéo trop flénier. Parce que chez nous. Et là, ils sont ivoiriens. Je viens de la Côte d'Ivoire. Parce que chez nous, en Afrique, on n'a pas de bonnes conditions. On est dans les conditions misérables. Je suis venu avec ma femme. Ma femme avec un enfant. On a voyagé avec lui. Il avait à peu près. Tout ça là, dans le temps de Ouattara. Je crois qu'il doit avoir 6 ans. Oui, elle ne se sent pas bien. Elle est enceinte encore, tout ça. J'ai quitté la Côte d'Ivoire à peu près 7-8 ans. Mais je suis en France. Ça va faire bientôt 2 ans. Ici, j'ai fait. Ça fait 14 ans de pouvoir. Lui dit ça fait 8 ans qu'il a quitté la Côte d'Ivoire. Non, ça dit que c'est dans le temps d'Alassane. Un an et demi ici. Là, c'était bon, une vie misérable qu'on appelle squat. J'en tue rêve. Vraiment, c'est pas facile, mais on fait avec. Même chez moi, en Côte d'Ivoire, où on dit qu'on est des pays pauvres, ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas. On peut pas expulser quelqu'un comme ça. C'est un préavis. Nos affaires, ce qu'on a pu récupérer. Ça là. En tout cas, c'est rare de voir les ressortissants de l'AES dans ce genre de situation-là. Je ne dis pas qu'il n'y a pas, hein, mais c'est rare. Sur les réseaux aujourd'hui, là, quand tu vas taper les immigrants ivoiriens en France, là, ou bien les immigrants Afrique de l'Ouest, là, tu vas voir, ça va sortir Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire. Ça plaît en Côte d'Ivoire. Même quand ils viennent ici aussi, ça plaît. Mais levez. C'est pas toi ta main qui est dans la main de... Il y a du boss ici là. Ce qui est là, tout est à l'intérieur. Hein. Oh, qu'est-ce que c'est même? C'est les vêtements qui sont là. Hein. Attendez, je vais vous faire voir la photo. Attendez, je vais aller sur la page même. Quand tu parles sérieux, ils sont trop intelligents. Hein, toi tu es mouton. Regardez ici. Parce que chez nous, ok, il dit Bongo. Regardez en bas là. Vous voyez. Alassane Ouattara et Macron. C'est-à-dire, quand il vient quoi là, Macron attrape sa main et puis il le tire. Avec un air Bongo, non? Donc ça pleut partout. Ce drame de Ouattara, c'est comme ça. Mais ils font rêver les gens. Non, ils font rêver les moutons. Ouattara, il travaille d'air. Ouattara, il travaille d'air. Oh, on a les mêmes pleurs, ça va pas. Et là, eux, ils disent qu'ils sont dans la maison. Et le véhicule est brûlé. Il n'y a pas de tout nous. Non, c'est même pas avec vous. Hein. On va partir chez Babou là-bas. Là. On va aller là-bas. Tu fais quoi les mains? Non, mais c'est agréable. Comment ils acceptent ces bêtises? Miyerenge Aruna. Voici le nom, c'est une fois là. Okay, je suis en train de faire mon live. Il y a un imbécile qui vient, c'est une fois. Ikaya Kri. Miyerenge. Allez, Moussa Yara. Allez, salam alaikum. Rendez-vous sur TikTok. On va laisser Dabwasi là-bas. Ok?